Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil qui m'a été préconisé par la société Vanta. C'est un appareil très spécial. C'est un purificateur d'air, laveur d'air, humidificateur d'air. C'est vraiment un appareil extraordinaire lorsque vous êtes dans des endroits très peu humides. Si vous avez par exemple un endroit dans la maison avec beaucoup de plantes, l'été pour humidifier l'air. Le Vanta LW45 peut être vraiment une solution. Alors vous avez deux possibilités, la couleur blanche ou la couleur noire. Alors c'est un appareil vraiment très spécial qui m'a été envoyé par cette société pour que je puisse vous le tester. Si vous aimez donc les vidéos high-tech, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision High-Tech et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, on va ouvrir ce gros carton, car quand on reçoit cet appareil, c'est quand même un carton assez conséquent. L'appareil en lui-même a un certain coût, ça coûte quand même 329 euros. On va tout de suite donc déballer le Vanta LW45 et voir comment ça se passe pour l'installation de ce tout nouveau humidificateur, purificateur d'air. C'est parti les amis pour l'intro. Ce Vanta LW45 peut être donc de différentes couleurs. On a ici la couleur noire et on a ici la couleur blanche. Alors de mon côté, ils me l'ont livré en couleur blanche. Alors Vanta est une marque allemande et très connue pour ses purificateurs d'air, humidificateurs d'air. C'est un principe laveur d'air. C'est vraiment assez impressionnant comme appareil. Alors, on va tout de suite faire l'unboxing ensemble et voir ce qui se passe dans ce carton. Alors, je remercie beaucoup la société Vanta de m'avoir envoyé leur tout dernier donc laveur d'air. C'est vraiment génial de pouvoir tester tous ces appareils. C'est d'ailleurs grâce à vous, merci. La chaîne Vision High Tech devient de plus en plus connue. Et donc de plus en plus touché par différentes marques pour différents tests d'appareils accessibles, plus ou moins accessibles, accessibles, très peu accessibles dans tous les cas. Je vous en parle lors de ces différents tests. Alors à l'intérieur, on va avoir 50 centilitres de produit laveur d'air, comme ici, à mettre en fait dans le bac du purificateur d'air. Ça a l'air plutôt pas mal comme système. Je me suis renseigné un peu sur internet. Vous pouvez donc chercher sans problème sur internet. Je vous mettrai différents liens sur les différents tests qui ont été faits sur différents sites sur ce Vanta LW45. L'appareil, une fois sorti sur les côtés, on a deux gros polystyrènes à enlever. À l'intérieur, on a donc des notices en allemand avec quelques phrases en français. C'est pas énorme côté francisation. Et ensuite, vous allez retrouver le manuel de garantie de votre appareil. On va maintenant mettre en place l'appareil. C'est parti. On va enlever donc les deux blocs. On peut s'apercevoir sur le dessus qu'on a un petit cadran qui sera un cadran tactile. Et ici, si on lève notre bac, on aura donc un carton à enlever. Et on retrouve le dispositif de branchement, une prise murale tout simplement. Et ici, on retrouve donc les rouleaux qui vont permettre de tourner dans l'eau en fait pour purifier, pour humidifier votre environnement. C'est tout simplement comme un petit panier avec quatre rouleaux qui vont tourner à l'intérieur de la cuve. Cette cuve, alors vous avez un autre carton à enlever sur le fond de la cuve. Et cette cuve donc, fait à peu près une dizaine de litres lorsque vous allez la remplir. Ici, on peut s'apercevoir donc qu'il y a une ligne de délimitation pour pouvoir justement remplir votre bac. C'est marqué donc water line. Alors on peut s'apercevoir dans le capot ici que l'on a une ailette qui va donc tourner plus ou moins rapidement pour justement
purifier votre air, donc humidifier votre air. C'est plutôt assez sympathique. J'ai vu différents tests sur internet qui, dans une maison très peu humide, ça permettait en fait de humidifier l'environnement et d'avoir de belles plantes si vous avez des plantes à l'intérieur de votre maison. Donc tout simplement, ce bac, je vais le remplir d'eau et on va y mettre la petite potion qui est livrée avec cette petite bonbonne livrée avec que vous allez mettre dans le bac où vous aurez incorporé l'eau. Alors tout simplement, on remplira le bac avec de l'eau de robinet sans problème. On peut s'apercevoir qu'ici, il y a donc le trait de délimitation. On l'arrêtera pile poil une fois qu'on y sera. Voilà donc, une fois le bac rempli, vous allez être prêt à utiliser votre Vanta LW45. Franchement, ça m'intrigue vraiment au niveau du fonctionnement. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, une fois que vous avez rempli votre bac d'eau, il va donc falloir mettre les quatre rouleaux qui vont permettre en fait de purifier l'air, de laver l'air tout simplement à l'intérieur du bac. Voilà ce que ça donne une fois que le bac est rempli et que vous avez inséré les rouleaux. Il ne reste plus qu'à brancher notre appareil et on voit que sur l'écran tactile sur le dessus, il y a donc un petit bouton pour lancer le fonctionnement de l'appareil. On va le mettre en marche. Voilà, donc c'est parti. On peut entendre l'appareil qui fonctionne. Ça ventile à peine. Ça permet en fait de purifier, de laver l'air. Et je vous mets en gros ici 41%. On peut s'apercevoir que de chaque côté, on a un plus et un moins. Chaque côté de l'écran. Ce qui veut dire qu'on peut augmenter ou diminuer le débit de ventilation. On peut voir à l'intérieur les petits trous tournés en fait dans l'eau, ce qui va permettre en fait de ces roues vont permettre en fait d'aspirer l'air, de la laver et en fait d'en retirer un meilleur air, mieux humidifié et un air lavé. Ça, c'est vraiment génial. Je vous mets de très gros sur votre écran. On a les petits trous qui tournent sur elles-mêmes très doucement. C'est impressionnant, les amis. Alors, sur le panneau de contrôle du dessus, on a donc un mode automatique. Donc, l'appareil va se réguler suivant le taux d'humidité que vous allez avoir dans votre pièce. On a donc un mode sleep. Donc, ça va être le mode quand vous allez coucher. Donc, il se mettra donc, il fonctionnera, mais avec un mode très silencieux. Juste entre sleep et entre auto, le bouton de marche arrêt. Ensuite, vous avez le bouton plus et le bouton moins pour augmenter la ventilation. Et juste sur le dessus, on voit donc écrit le taux d'humidité. Ici, on est à 38% d'humidité dans la pièce. Si on lance l'auto, alors, ce qui est plutôt pas mal côté ce cadran, c'est que pour les personnes malvoyantes, ce cadran, comme je vous le mets ici en gros sur votre écran, est très contrasté. Il a donc un fond noir avec ici des écritures blanches et c'est quand même assez gros. Alors, côté design, le Vanta blanc est très design dans une maison, dans un salon. Il va vraiment pas décontraster avec l'intégralité de votre pièce. Et ici, je suis devant, je peux vous dire que je ressens un air ultra frais. C'est vraiment très appréciable, très simple d'utilisation. Il n'y a vraiment rien de spécial à faire, à part de surveiller de temps en temps le niveau d'eau et de rajouter de l'eau. Alors, pour faire fonctionner le Vanta, donc LW45, on n'a pas de télécommande, c'est simplement le petit cadran du dessus qui vous permet de le régler. Vous avez donc un air ultra sain, un air vraiment
humidifié. Donc imaginez-vous l'été avec ce genre d'appareil dans la maison, dans un appartement. Ça peut vraiment vous aider donc à purifier votre air si vous êtes quelqu'un d'allergique au pollen, aux poussières. Le Venta LW45 pourra aussi supprimer toutes ces problématiques de petites poussières, puisqu'il fait partie aussi de la catégorie des purificateurs d'air, des laveurs d'air à l'eau. Et ça, c'est vraiment très sympa. On peut voir donc les grilles de chaque côté qui permettent de laisser passer l'air purifié. Alors, au point de vue sonore, on est sur un appareil qui délivre du 45 décibels, donc c'est pas forcément très bruyant dans un appartement, mais quel air! On sent vraiment un air super frais, ça fait vraiment très sympathique. Je vous avais d'ailleurs présenté le purificateur d'air de chez Prosonic, qui lui était plutôt un appareil via un filtre différent. Ici, on passe par la nature, donc on passe par l'eau. Et c'est l'eau qui va purifier votre air. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel appareil et si vous aviez déjà pensé qu'un appareil comme celui-ci existait, purifier, laver l'air avec l'eau par le biais de rouleaux. C'est vraiment, je trouve, cette invention ultra géniale. Ici, je l'ai mis au plus haut au niveau de la ventilation. Je me penche, je me tais et je vous laisse écouter le niveau sonore de la ventilation. Alors par contre, quand on a la tête par-dessus, je peux vous promettre qu'on sent un air frais. On sent bien qu'on est en train de purifier l'air, c'est vraiment très sympa. Je vous mets ici le cadran par-dessus. Alors c'est un cadran tactile. Vraiment cet appareil très utile par exemple pour l'été. Si vous vivez donc dans un appartement plus ou moins petit, ça permettra en fait d'humidifier l'air et d'avoir un air plus pur lorsqu'il va faire très chaud. Donc vous allez avoir un air purifié, lavé de toutes les impuretés et en plus un air humidifié. Ça, c'est plutôt pas mal, par exemple pour les personnes atteintes de certaines pathologies respiratoires. Ça peut être vraiment génial. D'ailleurs, je vous mettrai en commentaire tous les liens là où vous pouvez le trouver. C'est comme d'habitude, Amazon et autres. C'est un produit allemand et vous imaginez que les produits allemands sont de très bonne qualité. Merci encore à la société donc Venta de m'avoir fait profiter de ce tout nouvel appareil et de cette toute nouvelle dernière technologie. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez d'un tel appareil et si ça vous donne envie de posséder un appareil comme celui-ci, le Venta LW45, un laveur d'air qui va vous permettre en fait de mieux respirer l'été, de faire mieux respirer vos plantes, car ça peut être vraiment utile aussi pour vos plantes. Alors quoi qu'il arrive, ici je vous ai mis en gros sur votre écran les petites roues qui tournent. Donc c'est ce qui va permettre en fait de laver l'air. Et quand on est devant ces grilles, on a l'air frais qui arrive les amis, je peux vous dire c'est super sympa. Eh bien écoutez, je pense que cet appareil va bien s'incorporer dans mon salon. Alors cet appareil est très simple d'utilisation, simplement trois fonctions, la fonction auto, la fonction slip, la fonction marche arrêt, augmentation de la ventilation. Regardez ici, on est sur un taux d'humidité à 39%. Voilà les amis pour ce purificateur laveur d'air de chez Venta, donc LW45. C'est vraiment magnifique. Les nouvelles technologies qui nous entourent deviennent de plus en plus puissantes. Et je trouve que ce purificateur humidificateur d'air peut être super utile pour beaucoup de gens, d'autant plus que les grandes chaleurs arrivent, ça peut vous permettre d'humidifier l'intérieur d'un appartement et d'avoir de l'air un peu plus respirable. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo high-tech, bien sûr, accessible. Bisous à tous, prenez soin de vous, salut à tous.